face à Mathieu Polo. Je suis très content, j'ai vu, il y a quand même beaucoup de journalistes d'âme et j'aimerais qu'ils soient un peu plus majoritaires que les hommes, mais bon, qu'à cela ne tienne, et ils sont là quand même. J'espère qu'ils vont nous accompagner demain pour ce match historique pour nos filles. Non, je ne pense pas qu'elles auront la pression demain. C'est un match très important pour elles d'abord. Tout le monde le sait, bien mieux que moi, que le football féminin. Et bon, moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Il y a l'injustice. Donc, elles sont conscientes que demain, s'ils gagnent ce match-là, ou s'ils se qualifient demain, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour eux. Donc, elles sont vraiment tellement déterminées et motivées à écrire leur histoire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de pression, non. Depuis 4-5 jours qu'on est ensemble, ce sont des filles vraiment gentilles, magnifiques. Ils ont fait un très bon match en Guinée. On a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas perdre. Et on a réussi à marquer un but très important là-bas. J'espère qu'ils vont finir le travail demain. On est allé à l'inconnu là-bas, on ne connaissait rien. On n'avait pas d'image, pas des infos sur eux. On a eu une mi-temps pour voir comment... Elle développe leur jeu, on a réagissé en deuxième période. Et on a dominé jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pouvait même ramener la victoire ici. Bon, le match aller, c'est fini. Maintenant, il y a le match retour demain. Et on est déjà en pleine préparation. Maintenant, on connaît comment on va jouer contre cette équipe-là. C'est une très bonne équipe, expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs, deux ou quatre joueurs qui ont été champions d'Afrique il y a quelques années, c'est là déjà. Donc, ils ont la culture de ce genre de match par rapport à nous. Et voilà, demain, on ne sera pas surpris. On sait ce qu'on va faire demain pour arracher la qualification. Moi, je pense que tout va se jouer sur le mental. Si nos jeunes filles sont bien traitées, si nos jeunes filles sont... Ils ont la minimum des reconnaissances envers nos autorités, moi je pense que là, ça va être facile pour eux parce qu'ils sont tellement talentueux, ils savent jouer au football, ça leur manquait seulement la tactique et un peu de discipline dans le groupe. Là, il n'y a plus de problème là-dessus. Et maintenant, c'est à vous de faire le bruit, surtout les journalistes d'âme qui sont dans cette salle. Moi, je compte sur vous après cette conférence de presse, allez secouer un peu le cocotier. Et voilà, tout ce qu'on attend de vous, moi je vous... Je laisse la balle dans votre camp et je ne vais pas dire plus sur ça, mais tout le monde connaît peut-être leur situation. S'ils ont même 40 à 30% de ce que les hommes seniors ils ont comme préparation, moi je pense qu'ils vont rentrer demain sur le terrain avec les couteaux sur les dents pour arracher leur qualification. C'est historique pour eux, ça fait beaucoup d'années. Je ne sais pas, la dernière fois que nos filles ont joué la CAN, c'était en quelle année, je me rappelle même. 2012, plus de 10 ans, 12 ans. Donc voilà. Mais l'argent ou pas l'argent, motivation ou pas, encouragement des autorités ou pas, ils sont déterminés à marquer leur histoire. Voilà ce que je vois tous les jours avec eux ensemble depuis qu'on a commencé cette préparation de ce match ici. Donc voilà. Moi, je pense que je crois, Inch'Allah, demain nos filles vont se qualifier en phase finale. Ça serait tellement historique et c'est rare. Je pense que c'est pour la première fois entre les filles et nos garçons jouera la CAN. Et à ce moment-là, je vais voir comment nos autorités vont traiter mes filles. On n'assure pas la qualification.
On est déterminé à avoir la chose. Vouloir avoir quelque chose, ça ne veut pas dire qu'à tout prix, tu auras ça demain. Non. On est déterminé à avoir la qualification. Donc, il faut d'abord jouer les matchs. Moi, je dis, je viens de le dire, tout ce c'est mental. C'est le mental qui va faire la différence. Sur le plan technique, je ne pense pas que cette équipe de Guinée est supérieure à nous. Non, je ne pense pas. J'ai vu les matchs de Guinée. Moi, je pense que mes filles savent bien jouer au foot. Et s'ils respectent les consignes des mères, et s'ils sont vraiment motivés, moi je les pousse, hein, j'amène l'énergie positive dans le groupe. Mais après, je suis qu'un entraîneur, j'ai mes limites. Mais ils m'ont promis, coach, demain, on va avoir notre qualification. Ça, moi, je suis content de ça. On va se lancer demain et on va tout donner. Ils vont mouiller leur maillot pour leur nation et pour leur carrière aussi et pour l'avenir du football féminin. Donc, tout passe par cette match de demain. Bien sûr que oui. Et vous savez, l'émotion de celui qui subit l'injustice, c'est difficile à le contrôler ou à le prévoir. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Ils n'en auront pas. Je le répète encore, l'argent ou pas l'argent, motivation de la part des autorités ou pas, ils m'ont promis qu'ils vont mouiller le maillot pour leur carrière d'abord. Parce que d'abord, c'est pour eux. Vous êtes à la veille de votre destin par rapport à votre carrière. C'est pour ça que je vous invite à vous concentrer au maximum pour d'abord mouiller les maillots et réussir votre ambition personnelle avant que vous pensiez à nous, pensiez à d'autres personnes. Donc je pense que vous êtes consciente de ça et que vous allez prendre votre travail très au sérieux, c'est important. Faites confiance au président de la République qui s'est engagé et qui a toujours répété, il ne fait pas de la démagogie, il dit toujours la vérité, et il a dit lui-même qu'il ne va rien négliger et qu'il va tout faire pour que tous les sportifs congolais se retrouvent. En plus, il y a une autre responsabilité que vous avez de porter les drapeaux nationaux. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui atteint le niveau de l'équipe nationale. Il y a autant d'athlètes qui se battent jour et nuit, mais qui n'ont pas cette chance comme vous. Vous avez la chance de porter le maillot national. C'est pour ça que vous regardez un joueur d'une équipe nationale quand il a un résultat. Très souvent, il fait ça. Cela veut dire quoi? C'est la patrie. C'est l'honneur du drapeau et je pense que vous allez certainement porter haut l'étendard de la RDC et que vous allez vous battre pour que le football féminin de la RDC qui est en pleine renaissance puisse aller très haut. C'est parti, la génération Kaba Kaba veut écrire l'histoire de la plus belle manière pour les Canadiens. La déviation, elle est plutôt avantageuse avec cette balle, elle a trop poussé l'attaquante Merveille Kanjinga. Le centre, encore la main ferme et le tir d'Enormi Kaba Kaba qui n'est pas cadré. Guinée équatoriale, le centre à la tête. L'espace et la passe, c'est bien géré. Elle supprime Fideline. L'ouverture du score de la Guinée équatoriale. La défense est restée pantoise sur cette passe. Et l'équipe équato-guinéenne qui profite pour ouvrir la marque. C'est les bons moments avant d'aller au vestiaire et faire du mal au Léopard de la République démocratique du Congo. Quel travail, quelle passe lumineuse pour trouver l'attaquante et de bien fixer la gardienne Fideline Goy. 0 pour la RDC, 1 pour la Guinée équatoriale. C'est bel et bien l'attaquante en bon nom.
n'a pas tremblé devant Fidelin Goy. La joueuse de Huracan en Guinée équatoriale. C'est la pause. L'arbitre du match qui renvoie les joueuses au vestiaire. 0 pour la RDC. 1 pour la Guinée équatoriale. Et quand bien pour Marlène Cassage, le centre des Cassage, la tête des merveilles Kanjinga. Le centre des Grâces Famba. La gardienne qui va boxer la balle. Boyega avec Kakabakaba. Numéro de Mawanda. Gongoy Kanyanya à Bélange Vukulu. La passe des Vukulu. Marlène Cassage. Le centre instinctif des Cassages. La tête des Merveilles Kanjinga. L'égalisation de la République démocratique du Congo. Merveille Kanjinga. L'attaquante du FCF Mazembe. Bien trouvé par Marlène Cassage pour ce but égalisateur. Un but partout ici au stade des Martyrs. Belle opération. Maintenant, il faut aller chercher ce second but pour chercher cette qualification historique après 11 ans. On voit ce centre des Marlène Cassage et la tête bien placée des Merveilles Kanjinga. Un but partout. Application. Oui, Kipoi. La passe de Kipoi. Encore Merveille Kanjinga. Kanjinga Merveille. Elle tente de percer. Encore Kanjinga. Kanjinga, les bons crochets. Kanjinga, il fallait trouver sa coéquipière qui était bien positionnée. Pour qui Merveille Kanjinga. Kanjinga Merveille. Elle perce avec tant de précision. Kanjinga, c'est bien fait de la part de Kanjinga. Le centre. Attention, la tête si molle de Naomi Kabakaba. Il y a Moudimbi. But Kipoi qui va insister. Kipoi, Kipoi encore. La vitesse de Kipoi dans la surface. La passe de Kipoi manque de précision. Oh mon Dieu, quelle action gâchée. Veille Kanjinga à la lutte. But Kipoi qui va suivre le mouvement. La balle qui traîne toujours. Elle continue de traîner. Et c'est bien géré. Kipoi 8. Minute de jeu. C'est quasiment le dernier quart d'heure de cette explication. Encore 15 minutes pour chercher le second but. Fallon Pambani, la patte des Pambani pour Kipoi. Kipoi encore. Kipoi s'en sort très bien. Le deuxième but qui arrive. But Kipoi. Bon, la sion féminin. Kipoi qui s'illustre de la plus belle manière. 2-1 pour la RDC. Et la RDC qui se rapproche de cette qualification historique. Kipoi bien trouvé avec cette passe lumineuse. 2 pour la RDC, 1 pour la Guinée équatoriale. La chicote. Sur la balle et elle sait où se trouve la cage pour loger le ballon. Très bon travail de Ruth Kipoi. La joueuse des Galatasaray Petrol en Turquie, l'ancien. Tout bien avec Mélange Vukulu. La passe de Vukulu à Kabakaba Naomi. Les bons crochets des Kabakaba. La passe des Kabakaba. Attention, la remise. C'est terminé, la RDC qui s'est qualifiée pour la phase finale de la CAN féminine. Merci, courage. Vous faites 3 ou 4. Nous, on fait 3, comme les Belges. C'était facile, je vous ai dit ça, que j'ai hérité une équipe minée de problèmes. En commençant le travail, j'ai compris que c'était pas gagné d'avance. Je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui. C'est une équipe qui subit des injustices pendant, je pense, plus de 10 ans. Il ne reçoit pas ce qu'il devrait comme traitement. Donc, Dieu merci. Ils se sont qualifiés. J'espère que les lignes vont se bouger. Et que nos filles, vos filles, vos petites sœurs,
vont être bien traités maintenant, parce que c'est historique pour eux. La dernière fois, on m'a signalé que c'était en 98, qu'ils étaient, nous, à l'époque où j'étais encore joueur, c'était en même temps que nous et les filles ont joué la CAN. Maintenant, tout ce que je demande, tout ce que je souhaite pour les filles, ils les reçoivent au moins 30 à 40% de ce qu'on donne aux hommes pour qu'ils se préparent bien, qu'ils fassent une bonne campagne en Coupe d'Afrique au Maroc. Tout ce que je demande, tout ce que je souhaite pour eux, parce que c'était pas gagné l'avance. Pour moi, je vis à l'interne. Je vivais avec eux pendant 5-6 jours ensemble. Non, c'était vraiment compliqué. Mentalement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, ce qui était bien, j'avais déjà ciblé le problème, c'était le problème mental et le problème tactique. Bon, il fallait à tout prix réparer le mental. On a réussi à le faire, mais c'était vraiment très difficile pour moi. Il ne fallait pas être à ma place, c'était compliqué. On remercie quand même les bondiers. Cette victoire va quand même servir de quelque chose pour les filles. Parce que ceux qui vivent en permanence avec eux, c'est très compliqué pour eux. Donc, il ne fallait pas être à leur place. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus, d'emblée. Rien du tout. On contrôlait le match. On a loupé pas mal d'occasions. Je pense 4 à 5 opportunités de marquer. On n'a pas su, on n'a pas la chance, peut-être la maladresse aussi était là, peut-être la précipitation, tout y était pour rater toutes ces opportunités-là. Mais au moment où on savait le point faible de l'adversaire, moi je les ai dit d'être calme, ça va venir parce qu'on dominait le match, on contrôlait, on avait le ballon avec nous, on gagnait tout le duel. Et je savais que ça allait tomber parce que Dieu aussi est juste. Oui, je suis content qu'ils ont revenu au score et puis ils ont gagné, ils ont arraché la qualification. Comme je dis hier, l'argent ou pas, ils vont se mouiller, motivation ou pas, pas de visite des autorités, il n'y a pas de problème. Et heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, on a eu l'appel de la première dame, nous a appelé en bus, parce que c'était même compliqué pour aller avec les jeunes filles au stade. Ils ne voulaient même pas venir. Ça, c'est une histoire où on a géré, mais c'était vraiment compliqué pour nous. Pour tout le monde, d'ailleurs. Je tiens vraiment à le signaler, je compte vraiment sur vous, allez faire du bruit parce que c'est vous les médias. Il faut que les filles soient bien traitées. Il faut que les filles, ils ont choisi de jouer au football. Il faut que tout le monde regarde bien ce qui se passe là-bas. C'est pas bien, c'est pas beau à voir ou à vivre. Voilà tout ce que je peux dire. Je suis content pour vous. Félicitations, ils se sont battus courageusement. Et j'espère. Ils vont avoir le temps et avoir les moyens nécessaires pour préparer la CAN, comme les hommes. Finir la rencontre par Daniel, et je suis l'homme le plus heureux, comme j'ai dit hier, pour le football féminin. Cette campagne qui va se jouer, ce n'est pas au mois de juin ou c'est pas. Je ne connais pas la date. Pour eux, vraiment, c'était nécessaire. C'était vraiment. Des moments opportuns pour eux, pour que les choses bougent. Je ne vais pas en dire plus. Voilà, je suis content pour eux. Pas pour moi, moi c'est fini, ma mission c'est finie. Là, j'étais là seulement pour le deuxième match et je voulais me battre avec eux. Je voulais les aider à aller en Coupe d'Afrique comme les hommes. Maintenant, c'est à eux d'organiser, ce n'est pas à moi. Et ma mission c'était ça, je m'arrête là. Je suis content, très content. Bonjour, bonjour, surtout Yafekoti. Je sais que c'est Nguza Makasi, Zabakasi, 12 ans après. 12 ans après, nos filles ont retrouvé le chemin à la Coupe d'Afrique, dame, seigneur, donc Sengo. Kitoko trop parce que l'année prochaine, le par à M. Rosalana. Côte d'Ivoire, le par à dame à Kozala. Également, na Maroc, représenter notre pays, la République démocratique du Congo. Dengue et Zalaraka, car c'est un pays très difficile pour nous. C'est un pays très difficile pour nous. L'actualité est dominée par la qualification du départ d'âme. 12 ans après, na Coupe d'Afrique. Dengue et Zalaka, Trobeta Lissoulouana, Trobeta Lissoulouana, champion national. Yabisso, et pourquoi pas équipe nationale Nabisso, donc, mais l'actualité est dominée par les filles Oyo Baganye, Baguinen.
Les lots vraiment 2 buts à 1, c'était pas facile, hein. C'était pas facile, c'était même un peu difficile pour nous. En termes de performance, bah, base Fekodi, l'équipe guinéenne, Yabissaou, Yamalabokuna, Bazali, après, je pense, si je m'abuse, pas si je m'abuse, après, comment dirais-je, donc, après le Nigeria, c'est Bangouana. En termes de performance, c'est du colon Afrique. Bien qu'Afrique du Sud, les loups, avec l'équipe championne, c'est pas mauvais, mais il faut que tu Bango, donc ils ont jeté. D'après Nigeria, baza vraiment. Donc, Afrique du Sud, un grand merci à Bango parce que baza la génération Makasi, surtout que ma mélodie Sundance, Ndenge, Azako, encadré, fin à Bango, Kuna, donc ils ont profité de l'équipe nationale à Bango. L'équipe guinéenne, vraiment, ça, très Makasi, très Makasi. Vous savez très bien, le match allait au Salaki, un but partout, et l'autre, comme ça, qui Afrique Mobimba. Afrique Mobimba, tout ça, les MB partout, par la Bango Kuna, na Malabo. Score nul, tout ça, les Kuana. Afrique Mobimba, bah, qui est étonné. Parce que l'équipe guinéenne, en termes de performance, bah, ça, Malikolo Makasi. Mais les gens oublient que nous, les Congolais de Kinshasa, nous avons une meilleure génération. Moi, j'ai dit une meilleure génération. Il y a football féminin, les lots en ayango. Parce que la majorité des joueuses n'a pas été en Bango Awa, mais Babima Libanda, Babetra Turquie, Bazana Grèce, Bazana partout dans le monde, en Afrique, en Tanzanie. Nous avons une bonne génération. Il y a des joueuses. Et ceux qui ont besoin de Bango Zéka qui soutient, Bazana soutient, organisation qui a quitté, soutien qui a quitté. Vous savez même qu'après que ça a match nul au niveau à Malabo, les filles étaient abandonnées. Bazana problème, il y a Botokolo Bélango qui peut se soutenir parce que nous sommes déjà qualifiés. Tout le monde m'a fait vraiment un grand merci à Connor Oyuruma, qui a hésité à quitter, pour débloquer moins le temps que le gouvernement Congolais a bim ça, moins pour Nakoya, pour Sunga Bafiwana, Connor a salé avec Moussala, il y a bim c'est bon, la caisse n'a pas. Alors, un grand merci, donc, non, qu'on se les dise la vérité, FIFA pas finance ça, hein? Football féminin partout dans le monde, y compris chez Bissot. Donc, ma petite Wana, ma petite Bissot est Saint-Gon. Nous sommes qualifiés, et je pense que cette qualification est pour sa naissance, na renaissance, il y a football féminin. Il ne faut pas qu'on bosse, on a que ma fille Wana, ma bête à Coupe du Monde. Les filles, nos filles, ma bête à Coupe du Monde, hein? Bête en Coupe du Monde, donc tout au yo, tout le monde a besoin vraiment de faire tout son gapo, la régénération, la critique qui est pour yon, surtout, on a nommé Kaba Kaba, on a petit monde, on a tout le monde qui n'est pas yo, on a quand même marqué l'histoire, et ça, les bisous vraiment bien, on a gagné 2-1, match, allez, tout ça qui est mis partout, match retour de gagner 2-1 à domicile, nous sommes qualifiés pour la phase finale où ils allaient dans le Maroc. Donc, l'année prochaine, un grand merci à ma fille Nyon, surtout un grand merci à Papi Kimoto Bolandi Ndenge à l'objet, mais toujours c'est un grand comme prime. Nous demandons toujours le comme prime, le comme prime, il y a motivation. Vous voyez, football féminin est Koufaki vraiment. Et Koufaki, victoire puis qualification, au Yoto, utilisant positivement, peut permettre que le football féminin n'a pas eu la place et Zalaka. Vous comprenez, quand vous avez une prime, vous avez une fille qui a problème. Vous avez une Kaboula qui est la Bango, vous avez une motivation. Moi, je vous l'ai dit, même Coupe d'Afrique, sur le petit Coupe d'Afrique, je pense que ce que tu es sérieux, c'est la Coupe d'Afrique. Vous pouvez générer ce que vous avez dans le lot. Vous avez une récupérer, mais vous avez une fille en Europe, Nyon, Sobaya. Vous avez une fille en Afrique. Vous avez une Bango, on a une belle sélection. Mais l'organisation n'a pas moyen, et ça, la victoire à l'élo, ça lui plaisir, n'a pas Nyon, surtout au Balingaka. Sport, na RDC, vraiment un grand merci à ma fille Nabiso. Ma bande qui est bien à domicile, là, ouais, ma bande qui est bien, mais papi qui moto, on a équipe, na ye, comme lui, moi, l'obéli, et aïe, motivation. Ma fille batali carrière, na bon batali à venir. Vous savez, notre pays, il est au Bamara, kaka, souma, comme ma bise à l'île, n'attend comme RDC. On a comme là, vraiment, lorsqu'on voit quand même des filles, bah, on aurait biso. Faut tout mettre ma boue, tu vas faire des scats aux alliés. Tu mets les bons ta ma boue, vous aimez ma lame. Tu mets la bango, tout ma boue, pour ça la kitoko, la bancadre, la bango, nous surtout, nous jouons, nous sommes surtout. Un grand merci, Nabiso, tout le monde dans le stade des martyrs pour nous soutenir, ma fille Nabiso. Et ça, c'est vraiment plaisir. Tout le monde qui soutient Bango, tout le monde qui a gouvernement, il me semble bon, on a un peu de sérieux. Papa, ça va faire un peu de la préparation à bien pour représenter Nabiso valablement. Je vous rassure, nous avons une meilleure génération et histoire football féminin à RDC. Mais bah moins des arrosanga. Nous avons besoin vraiment de finir sur Kenny Liboso. Merci na bango mon bazo beta balle de nebsi bino balle na basi ezane lengi. Lengi makasi. Bana fikodi.
ezana ndenge makasi me ba mwende ezolanda te nzambe asunga vraiment ba moyen ilanda po sala biso bien esala biso nyonso tout bien vraiment merci vraiment également tobeta lisolo ya championnat national na biso bandeko na ngai vous savez que l'ina foot eza ko continuer j'ai toujours dit pour la mabe ezali pour la Kinshasa makambele ki na match ya Ranger na et les aiglons les aigles du Congo ou ya Chimanga Ranger ezali ya président na biso ya président Lambert Osango qui est Imanie Chimanga Imanie donc ezali ki bitu baba na ndaku mais makambele ki na stade de Kamusi biso na regretté vraiment et loka liboso niveau ya arbitrage ezali na lina foot eza trop bas na décrit moko impossible to boyité partout dans le monde ben rire ça la mais niveau lina foot il faut savoir qu'on rénover statut à l'arbitre ce que to lini football na biso ezala évoluer ezala ba département nyon surtout ba département surtout foot be kokota la yango les arbitres congolais na yebité ce que to kolobe loko ndenge nini. Le plus grand problème au football congolais, non seulement ils ont des dirigeants, non seulement ils ont des stades, des infrastructures, mais c'est aussi des arbitres. Les arbitres congolais, ils ont une hauteur de football, les lots modernes, nous avons des arbitres. Ils ont des football. Ils ont des stades, ils ont des stades, ils ont des stades, ils ont des matchs, ils ont des stades, ils ont des Congo, ils ont des stades, ils ont des stades, te me koko comment on ensemble ngana bino parce que nazo ngolo bango te pona soni mais il faut que kana loba parce que ça na ebité ce qui balbite le sous arbitre ya siècle nini même dans ma série film ba Spartacus balbite ba zala ta boité même mundelo sala ka balle ba série wana balbitrage ko tuko ton zala ba matière ba zala ka boité oyi makambole ki na stade ngamu na tel bino tozana musika tozana no musika tout ça vraiment musika bandiko na makambo arbitrage tout très très musika vous savez que match bandi match fait bandi 15h30 je sais pas na konwa arbitre zaki ernin to bandi match match bandi pa ba joueur ba ke mitan tant ba joueur ba ke mitan match zaki nango 0-0 ba joueur ba ke mita avant nous ba ke nena nous mita on a remarqué que l'arbitre chrono l'arbitre ils en retard par rapport il y a 4 minutes par rapport et ba les semaines na ba l'arbitre à banc mais il est qui bon ba ke mita 0-0 ba outi mita ba yé match et bandi deuxième mita match bandi nebi sibino Ranger azui penalty Yaya, penalty tout fait. Mais l'arbitre là se permettre, y a quoi tu en couvrant les bandes carrées. Et l'équi. Ranger a fongolé bi poto 1-0. Match. Les aiglons ba égalisé. Pam. Et les aiglons a baxi des semi match comme il est 1. Match. Na ebi sibino. To comme il a 85 minutes. L'arbitre a été additionnel 5 minutes. Non, nous te coupons la 90e minute. L'arbitre a déjà été additionnel 5 minutes. Donc 5 minutes, on est coquille. N'a pas eu l'arbitre à 4 matchs. Pendant que, tu comment qu'il y a la 90e minute, il y a temps normal. Et créer des ordres, rentrer à côté de terrain, troubler côté. Il y a un chrono arbitre, il y a un rare ton n'engini. Trouble coach, makelele bimiwana, makelele. L'arbitre, il s'est concerté hier. Na ba juge de touche na arbitre ya table parce que ko se concerter pour ba jouer la biso solution par rapport au match ni katanaki vraiment to meki ko se renseigner comment ba jouer à Ranger ba koko bimana ba 207 bonot ba ki ni chango au président Lambert Osango a postilaki mbongo ki na campagne ah bande konanga campagne ba ba campagne sous ba ki to mona na so rien donc aux l'échec qui élection bandama ma élection bandana mboka l'échec qui a élection ngodo esa élection ba foin fouet l'échec ba député bazo préparer ba ça la sitting ba ki ça la marche ba réclamer mbongo ba parti politique na ki to zo mona le côté ba comme ko bete même ba député et loko zo na campagne o te to bi petit côté ce qui aux modèle élection ding ba sele le biso président Lambert Osango, Jongela no akamno foot. Tikela ba député ba kambuna bango.
Parce que l'élection, nous, tout le monde a fait le côté, mais dans Kinshasa, il y a une élection, il y a une quatrième photo, il y a une élection, il y a une élection. L'échec qui a une élection, il y a une élection. Et là, il y a un député, il y a maman, il y a un Pierre-Kerr. Moutou, avant de rapport à Paris, il y a un GD, il y a un Minerval, candidat député. Moutou, là, il y a un salon, candidat député. Moutou, c'est incapable de foutre un truc à $30, candidat député. Et puis, si Bissot, pas si vraiment président de la mère au Meka Kobongisa, n'équipe à Ranger. Mais Bissot a fait qu'on dit c'est au Sengi, na Connor a appliqué la loi. Ce qu'il faut Ranger à quitter la Ligue A, quitter la Ligue D. Comme ça, que servir de leçons, peu de discipline. Et ce qu'on a appliqué, on a Ranger, Bamika qu'on a appliqué le même texte contre Veklem, ou à comme une équipe à Kouluna, DSM IP. Mazembe, nous proposons à Balende, mais équipe Union, surtout, va appliquer le même texte. Au cas où, se comporter ma belle vis-à-vis à ma texte, eux-là, que ça, la question, je suis bête. Donc, il est Cameroun, le moment où on a orangé, vraiment, président de la mère au sang, face à tout le monde, il est à stade, il est à 207. Ils ont déception. Vraiment, ils ont déception pour le football congolais. Tout le monde dit, ma équipe, le coup, la ranger, et comment on y va. Toujours continuer, toujours, je voulais vraiment remercier sa grandeur, le prophète Conde Polo Dominique, Église Liloba, Papa Mosel Nzambe, continue toujours à battre la bisou, bana fekodi, naba losambo na yo, naba wazalendo. Eh, papa, bako tchouba politique, papa, vanara nongo vani bongo, on zamba lobina postilité, apôtre Dominique Polo. Eh, papa Conde, ndenge zala kaka apôtre. Papa, je dois te dire politique nous les fécodistes, nous avons confiance en nous, nous avons mais pour moi tu as pression qui a sombre oh ma tampi oh qui a sombre toi y habite papa yango kan yango et comme une des bobis sur le bas qui l'a fait codir il faut qu'on mette à prière dans ma club tout le monde a performance na yo na club avec l'équipe nationale et ben là qu'il bosse ma telle personne équipe nationale na moni micro de moi benga oh tout le monde est qui a sombre mon papa na ma tampi na qui a sombre eh ma paiement nan ma paiement. Ma tante Pindé a la place de l'équipe nationalité. Peut-être moins mouké qui a soumoua. Mais pour l'instant, qui a soumoua, paiement. De la place qui a soumoua, koutou, vous mettez en soumoua Mathieu Epolo. Petit standard de Liège Joana, Mathieu Epolo. Tout le monde souhaite Mathieu Epolo a une équipe nationale. Mais, boti qui a soumoua, n'a ma tante Pindé, paiement, n'a noté, papa, paiement, pété, c'est l'équipe nationale. Les Camerounais n'ont pas beaucoup de Camerounais. N'a bien au bâton, vous nous tirez pression pour nous matampi, n'est qu'y a sombre. Bonjour, en bon on a bango autour d'engini. Il faut penser que bien nous devons défendre nos joueurs. Les Camerounais sont d'affaire codi. Non. T'as reçu bango t'es n'allio pas. On a aussi un problème. Je voulais aussi ben affaire de qu'on participe. Est-ce que le problème y a Mecha qui Elia? N'a Silas Katopa. Tout le monde a club d'abord parce que c'est produit très bien. L'équipe nationale est aussi battue. Bon, besoin bien, besoin tout. Nous on a tout partagé, on a partagé les termes. Les gars, on a bien. Est-ce que l'équipe nationale besoin qu'on utilise bango bien t? Tout est un problème sous. Parce que tout le monde a mes chèques. L'équipe d'un club n'aille à Zobeta bien. Si là c'est un club n'aille à Zobeta bien. Sauf que bah une équipe nationale est aussi battue. Qu'est-ce qui se passe? N'a problème y a mes chèques. N'a si là le dé là. Parce que le problème d'intégration, parce que Meshek a déjà le pas. Si là, c'est pas déjà le pas. Si là, c'est une équipe nationale, qui est Bongonda. Qui est Piquel. Donc, si là, c'est une intégration, est-ce que l'entraîneur a utilisé Bongo bien, tout est allé nini. Ngana le bakango, problème est que c'est allé, si là, si il est mort, il veut prouver aux gens que c'est lui le petit bolasse. C'est lui qui a été sopa. Il est dans un bango. Or, le football, c'est simple. One touch. O kangyo pesi muninga. O kimi bachilo tchè la profonde pesi muninga. Football kwa komplika angote. Si les azos se komplike ye moko. Et les gens commencent à dire que non, c'est l'entraîneur. Nde moutou. Peut-être azos kwa utilise si les. Na mecha ki biente. Yango performance dans mon équipe nationale. Eza nasse. Alors moi, je voulais que vous participez dans le commentaire. Ba na fekodi. Est-ce que ba toi, ba lui, bon, ba zana raison.
qui est entraîné à ce qu'on utilise Basilas Namecha qui vient de l'équipe nationale. Tout ça qui est basso monde basso kokana bangote. Moi je ne voulais pas qu'on tourne à des balles parce que tout ça qui est des cannes. Tous les joueurs, comme on m'a dit à prier, même mon coco, mal les sauts, tout le monde, Mikola, pelle, moi, tout le monde, dans l'entraînement. Tu évites ce qui est canon, tu es comme des joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es un petit peu entraîneur, entraîneur, il est à ça là, choix naï. Tu es un petit peu naté. L'entraîneur a parlé, baran fort, et que y a. L'entraîneur a parlé des joueurs forts. Alors, lorsqu'il a dit ça, les gens, beaucoup de personnes ont pensé que non, il faut Bolasi que bano natisere bazonga na sélection. Alors bana fikodi bino bolo bindengeni, c'est ça vraiment question dans tourner bino. Bolasi que bano natisere bazonga en équipe nationale. Bana fikodi bolo bini. Il faut pas oublier l'équipe nationale, c'est les champions des meilleurs joueurs. Pas des bons mais des meilleurs joueurs du moment selon la philosophie de l'entraîneur. Tu peux être bon, tu peux être meilleur, tu peux être bon, mais bon, comme meilleur, tu peux être meilleur, mais il faut côté la philosophie entraîneur. Ce que côté la philosophie entraîneur, t'es et que Simbati, est-ce que Bolasi, tu serais Kebano, Bazo mérite aux gens dans la sélection, y compris Imbula. Au moins, c'était 4 joueurs, on a débattu aux gens au salle, on a forum, Bolasi, Imbula, Kebano, na, tu serais. Bazonga na sélection ko bino bana fikodi bolobi nini parce que officiellement on a contacté Mavididi auparavant il y a le colo mais officiellement on a contacté Mavididi l'entraîneur a dit il faut des joueurs forts pour Robeta Kan et bien là ba joue tout temps ba comme entraîneur ba zabo mais boya après Kan mais dans les joueurs forts là bino ba moni nani nani o ba ko ya to son équipe nationale nani nani au monde beaucoup koya tolong la orgueil parce que biso batwa kuba komona ki non soki yo sur l'entraîneur mutabengu na téléphone au boudé soki yo sur la na suna batwa kono mutabengu na téléphone au boudé l'équipe nationale toujours le kaba aide partout tout congolais a porter un plus d'équipe nationale tozana besoin na yo boya to sangana to soutenir équipe entraîneur yemoko asala swanai to kuta makamwana te l'entraîneur a parlé baran fort et que y a l'entraîneur a parlé des joueurs forts. Alors lorsqu'il a dit ça, les gens, beaucoup de personnes ont pensé que non, il faut Bolasi que bano natisere bazonga na sélection. Alors bana fikodi bino bolo bindengeni, c'est ça vraiment question dans tourner bino. Bolasi que bano natisere bazonga en équipe nationale. Bana fikodi bolo bini. Il faut pas oublier l'équipe nationale, c'est les champions des meilleurs joueurs. Pas des bons, mais des meilleurs joueurs du moment selon la philosophie de l'entraîneur. Tu peux être bon, tu peux être meilleur, tu peux être bon, mais bon, comme meilleur, tu peux être meilleur, mais il faut côté la philosophie entraîneur. Ce que côté la philosophie entraîneur, t'es et que Simbati, est-ce que Bolasi, tu serais Kebano, Bazo mérite aux gens dans la sélection, y compris Imbula. Au moins, c'était 4 joueurs, on a débattu aux gens au salle, on a forum. Bolasi, Imbula, Kebano, na tisere, bazonga na sélection. Parce que bino bana fikodi, bolobi, nini. Parce que officiellement, on a contacté Mavididi. Auparavant, il y a le colo, mais officiellement, on a contacté Mavididi. L'entraîneur a dit il faut des joueurs forts pour Robeta Kan. Et bien là, je joue tout le temps là-bas, comme entraîneur, il y a un peu après Kan. Mais dans les joueurs forts là, bino ba moni, nani, nani, o ba ko ya. Son équipe nationale. Nani nani au monde beaucoup koya tolong la orgueil parce que biso batwa kuba komona ki non soki yo sur l'entraîneur mutabengu na téléphone au boudé soki yo sur la na suna batwa kono mutabengu na téléphone au boudé l'équipe nationale toujours le kaba aide partout tout congolais a porter un plus d'équipe nationale tozana besoin na yo boya to sangana to soutenir to boy division bande ko nanga na ba likamu parce que na yebi na zo bapel. Nous sommes non pour y solo la rana entraîner à comme qu'on boude même quoi il m'a tout dans ma téléphone. Nous ne sommes pas solo la rana peut-être. Nous nous demandons qu'on a comme qu'on boude bateau. Vous savez, il y a combien de Congolais dans le monde qui sont prêts à servir fédération sans que ma paix même un franc. Vous le savez, c'est combien même ma parent va jouer. Bah, après, je vais citer Victor Mbungu. Jean-Pierre Mbungu. C'est un peu Jean-Pierre Mbungu, c'est Bélé.
oh bah quoi soutenir bah je sais pas plus ça va être bah ça est belé dans le monde, il y a aussi des même des jeunes bah ça capable de construire la fédération la biso naba domaine union surtout la fédération union surtout on a des jeunes congolais oh bah ça capable de y apporter un plus mais ma porte est toujours y a quoi kangama pourquoi orgueil et au mabiso bah congolais mon homme tenir zara y danser papa l'équipe nationale tous amis comme mboka danser zaga gadra pamboke kende liboso donc bah na fekodi bon monde loco ça l'angouana donc les gens réclament retour, il y a Djaneli Imbula, retour, il y a Marcel Tisseret, retour, il y a Yannick Yalabolasi, Niskes Kebano, Bolobi, Nini. Également, on a contacté Mavididi. Bon, je ne sais pas, Mavididi Orlobelo, Nenge Nini. En même temps, on a un sérieux problème. Au niveau, il y a latéral droit Nabiso, pour éviter, il y a un sous Zongeli qui ne se pose autant de jeux, à son équipe nationale. Parce que qu'on se dise la vérité, Moutaboua qui entraîne, ce sont la liste, et match à Tourou, ils ont entraîné, donc Makabrolouba, ils ont belé. Mais, nous continuons demain, lorsque je serai à Kinshasa, dans un plateau, de tout le monde, à faire, à expliquer Bino. Tout quand on a Bandoki. Un grand merci à Bino, tout le monde, à Bana Fekodi. Un grand merci à Mathieu Polo, Total Aye, Noah Sadiki. Pourquoi pas, nous